Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, nous sommes samedi et il est 7h30. Je suis prête à partir. Les enfants ne sont pas levés pour une fois. Donc, je vais me dépêcher. Aujourd'hui, je ne travaille que jusqu'à 13h, mais bon, ça fait quand même une matinée de 5h. On ne comprend pas pourquoi ils ne nous ont pas mis 8... enfin, jusqu'à midi. Mais bon, d'habitude, on finit à midi et quart. Tous les jours, la pause déj, c'est à midi et quart et là, on finit à 13h. Comme si c'était pas assez dur. Donc, du coup, je vais aller travailler. Je suis contente, j'ai reçu un mail pour me dire que mes vêtements de sport sont enfin partis. Sauf qu'en fait, je n'avais pas fait attention, ils sont partis de Californie. Et bien, du coup, ça veut dire que je les aurai dans 7 jours. Donc, bref, c'est pas grave. C'est un peu, comment dirais-je, accessoire. Donc là, je vais partir. J'espère que les enfants vont pas faire encore plus de bazar qu'il n'y en a déjà. Et c'est vrai que j'aurais apprécié qu'il y en ait un qui se lève avant que je parte pour laisser des consignes, parce qu'hier soir, on n'a pas du tout pensé à en parler. Donc, j'espère que ça va bien se passer pour eux. Moi, je suis pas du tout joignable sur mon lieu de travail. Donc, si je suis joignable par le numéro de l'usine en cas de gros problèmes, mais je veux dire, je peux pas leur envoyer des messages ou les appeler une fois de temps en temps pour dire est-ce que tout va bien. Je peux le faire si je demande à ma patronne, à ma chef, si je lui dis j'ai laissé mes enfants tout seuls à la maison, est-ce que je peux appeler pour vérifier que tout se passe bien. Je pense qu'elle me dira oui, j'en ai pour même pas 5 minutes, ça sera juste déduit de mon temps de travail et c'est tout. Mais bon, d'habitude qu'au master là, il est levé. Mais hier soir, on s'est couché plus tard que d'habitude. Donc, ils se sont couchés plus tard que d'habitude. Moi, je me suis couchée à 22h30. Donc, eux aussi. Donc, forcément, ce matin, ils dorment. C'est logique. Donc, après, moi, je les laisse dormir le temps qu'ils veulent. Hein. Je ne vais pas aller tous les réveiller pour leur dire « Levez-vous de bonne heure, vous profiterez plus de votre journée. » Non, pas du tout. C'est pas du tout ma façon de faire. Du coup, là, en ce moment, j'attends plusieurs colis. Parce que, alors j'ai une collab avec La La Lame qui est en cours et je vous la présenterai puisque de toute façon ça fait partie de mes cadeaux de Noël. J'ai commandé mon cadeau de Noël, j'ai commandé le cadeau d'anniversaire d'Adam et j'ai commandé les décorations du sapin personnalisées avec notre prénom. Donc il faudrait qu'on la reçoive quoi, ça serait bien. Du coup pour le sapin, pas d'infos, je pense pas qu'on l'aura aujourd'hui. Je suis un petit peu déçue. Bon, en même temps, vu qu'on n'a pas reçu les décorations en bois, je me dis, il y a moins d'urgence. C'est pas très grave. Et plus j'y réfléchis, et plus je me dis que ouais, j'en commanderai d'autres, en fait. Je vais attendre de voir hein, si le sapin n'est pas trop chargé. Mais ouais, je pense que je vais en commander d'autres en forme de boule. On verra. Je vais voir le rendu du sapin et si je trouve que ça manque, eh ben, j'en commanderai. Voilà, bon ben du coup, je vais partir travailler. Et puis, je rentre donc à 13h, donc je vous prendrai en entrant. Et cet après-midi, j'aimerais bien qu'on aille marcher avec les enfants quand même un petit peu. Il fait pas très chaud, mais il fait pas hyper froid non plus. Donc, on va aller marcher et puis du coup, moi, je vais aller chez Anaïs, opération masquée. Du coup, je vais mettre un masque jetable cette fois-ci, puisque comme elle va me faire ma coloration, elle va m'en mettre sur les élastiques et j'ai pas envie de flinguer les miens. Donc, je vais mettre un jetable et puis voilà, je vais y aller avec gel hydroalcoolique dans les mains. Il n'y a pas de raison que je l'attrape aujourd'hui, allez, soyons forts. Et voilà, donc ça fera partie d'une partie de mon après-midi. Mais j'irai en fait pendant que les enfants feront leur heure de jeu vidéo. Ah bah tiens, voilà quelqu'un. Je vais pouvoir laisser mes consignes. Ça va mon petit cœur? Ouais, et toi? Bah oui, ça va. Donc voilà, donc je vais partir travailler et puis je vous reprends quand je rentre à 13h. Bon, les amis, je vous reprends, il est 13h20. Enfin, je pense qu'il est 20. Même pas, il est 16, oh là là, je suis en avance. Donc là, je viens d'arriver chez moi, je viens de me garer devant chez moi. Je vois que mes voisins ont un camion de déménagement. Je ne savais pas qu'ils partaient. Là, en fait, leur petite, elle est scolarisée dans la même école que mes enfants. Donc, je les voyais régulièrement. Je ne sais pas si
tout le monde déménage parce qu'ils sont nombreux dans cette maison. Ça se trouve, ils sont juste en train de vider leur garage, tout simplement. Hop. Donc là, je vais rentrer, retrouver les enfants, on va manger. Je vous cache pas que j'ai extrêmement faim. J'ai ramené mon essuie-main, c'est celui que j'utilise au travail pour aller aux toilettes. Enfin, on allait m'essuyer les mains quand je me les lave en boulot. Oh là là, dis donc. Oh là, vous avez une livraison? Ouais, c'est pour toi. Oui, je m'en doute. Bon, bah, j'ai reçu des colis, apparemment. Oui, c'est quoi tes colis? C'est le facteur qui les a amenés? Oui. C'est quoi ton colis? Je sais pas, il faut que je regarde. Allez, hop. Bon, bah voilà, retrouvailles avec les enfants, c'est fait. On va manger, je vais ouvrir mes colis d'abord. On va manger et puis bah, après, on va voir si on va faire un tour ou pas. Il fait assez bon dehors, donc j'aimerais bien qu'on en profite un petit peu. Donc, on va voir ça. Bon, bah finalement, je vous reprends 5 minutes après. Hein. Finalement, c'était bien mes affaires de sport qui sont arrivées. J'ai reçu ma commande La La Lab, donc je vais vous en reparler. Et puis, j'ai reçu aussi mon cadeau de Noël. Donc, je suis très contente que ce soit arrivé aujourd'hui parce que du coup, les enfants ont pu réceptionner les colis. Parce que sinon, j'aurais eu un avis de passage dans la boîte aux lettres et j'aurais dû aller les chercher à la poste. Je ne sais pas quand, vu mes horaires de travail. Donc, effectivement, je suis contente. Alors, mon cadeau de Noël, je ne vous le montrerai pas. Je ne vais pas l'ouvrir. Hein. Je vais l'emballer et me le mettre au sapin puisque moi, je sais ce que c'est. Oui, le sapin de Noël. Bah oui, mais on l'a pas encore fait, le sapin. Bah oui. Ouais, ça veut dire qu'on fait la même pas. Par contre, on a acheté le calendrier de Noël. Oui, j'ai acheté les calendriers de l'avant. Oui. Oh, elle me saoule cette télé, là. Oh là, mais Marceau, calme-toi. Je suis très énervée. Donc là, du coup, on va manger. Ensuite, il faut que je fasse du ménage. Parce que j'ai pas d'autre solution. Enfin, bien que là, vous voyez pas grand-chose. Mais le sol, il est horrible. Donc, il faut que je nettoie le sol. Et puis ensuite, on ira se promener un petit peu. Non, on va courir. Ah oui, on va aller courir, puisque j'ai reçu mes affaires de sport. Maman, on va prendre beaucoup de bourdin. Voilà. Maman. Bon, bah du coup, c'est parti. On va manger, puis je verrai le ménage après. Parce que... Maman, il faut... Bon, je vous reprends. Il est 19h30. Donc, bon, évidemment, ça fait un moment que je suis rentrée. Hein, je me suis rincé les cheveux. Là, ça commence à être sec. Mes cheveux sont extrêmement longs à sécher. C'est une catastrophe. Donc, bah, ça sèche tout doucement. Du coup, j'ai rincé ma couleur. Hein, puisque je suis allée chez Anaïs, elle m'a fait ma couleur. Je suis contente d'avoir récupéré mes cheveux... Enfin, je ne vais pas dire normaux, hein, puisque mes cheveux normaux, ils sont blancs. Mais d'avoir récupéré des racines homogènes avec mes cheveux. Voilà. Du coup, finalement, j'ai emmené Com et Adam, parce que en fait, on devait aller marcher cet après-midi. Je m'étais équipée, hein, j'ai mis mon super legging de sport. Moi, j'étais prête à aller courir. Et puis, en fait, c'est parti en vrille. Tout le monde faisait n'importe quoi. Enfin, franchement, ça m'a saoulée. J'ai dit, bah, puisque c'est comme ça, c'est pas la peine. Donc, j'ai dit, bah, puisque c'est comme ça, je pars chez Anaïs tout de suite. Et finalement, Com et Adam ont voulu venir avec moi. Et vu que la situation était très tendue à la maison, j'ai préféré les emmener. Comme ça, au moins, j'évitais les conflits, en fait. Parce que sinon, ils m'auraient appelé toutes les 5 minutes pendant que j'étais partie pour me dire, machin, il fait ça, un tel, il fait ça, et truc, il fait ça. Donc, bah, du coup, je les ai emmenés, les deux, avec moi. Et comme ça, au moins, on était tranquille. Après ça, bah voilà, on est rentré et puis là, on était en train de discuter avec les enfants. Mais du coup, tout le monde m'a abandonné. Ils sont tous partis regarder la télé dans ma chambre. Moi, je me suis mis le replay de Famille Nombreuse. Je viens de me faire arnaquer. J'ai en fait, j'avais un abonnement à Disney+, du coup, que j'avais souscrit sur mon ordinateur. Parce que Disney+, n'était pas disponible sur la télévision, en fait, jusqu'ici. Et là, en fait, je vois que sur Orange, dans la même catégorie que Netflix... Il y a Disney+. Je me dis, mais trop bien. Donc, c'était marqué souscrire un abonnement. Je dis, bah moi, j'ai déjà un abonnement. C'est bizarre. Et en fait, j'ai du coup résilié mon abonnement actuel pour reprendre l'abonnement via Orange. Sauf qu'en fait, on est allé dessus et il n'y a rien. Donc, est-ce que c'est parce que l'abonnement est encore en cours et que du coup, on n'a pas encore accès à tout, vu qu'on vient de le prendre là il y a 10 minutes? Je vais attendre quelques jours, mais si dans quelques jours, bah c'est pas mieux, clairement, ça va pas le faire. Hein.
Je vais résilier et je vais reprendre l'abonnement que j'avais avant, quoi. Donc là, il faut que je resouscrive Netflix parce que, en fait, on était sur l'abonnement d'Anaïs et finalement, Anaïs, elle l'a arrêté. Donc nous, on va le reprendre parce qu'on regarde énormément Netflix. Donc, on va reprendre ça là, dans le week-end, je pense. Et puis, bah là, en fait, on est en train de préparer à manger. Alors, je sais pas. On est passé à la boulangerie, j'ai acheté un pain. Et les enfants voulaient faire des hot dogs. Alors, j'ai dit OK pour les hot dogs. Comme me dit, oh, moi, ce serait plutôt sandwich. Alors, je dis, si vous voulez, sandwich. Et là, on arrive à la maison. Elsa avait commencé à préparer des pâtes. Alors, bah, du coup, je sais pas trop ce qu'on va manger. Qui va manger des pâtes? Qui va manger des sandwichs? On verra bien. Ça va être un peu à la one again, je pense. Mais on verra. Mais ça va se faire. Voilà. Donc, bon. Je vais ranger un petit peu là en regardant mon émission parce qu'il y a vraiment du bordel partout. Et puis, bah après, on va manger. Et je vous reprendrai après manger pour clôturer ce vlog. Bon, bah, les amis, je vous reprends. On est dimanche. Il est midi et demi. J'ai un ménage de titan à faire parce que finalement hier j'ai rangé un petit peu, mais pas suffisamment, pour que ça reste propre jusqu'à ce matin. What? Et là, en fait, il est midi et demi, on s'apprête à manger. C'est Elsa qui nous prépare à manger ce soir, j'allais dire. Donc, c'est plutôt cool. En fait, ce matin, on s'est levé. Enfin, moi, je me suis levée, il était 9h30. Et il y avait que Com qui était levé. Vu qu'avec le confinement, on ne peut pas aller à l'église, on a, en fait, nos réunions d'église par Zoom pour les personnes qui veulent y participer. Et du coup, ce matin, on a assisté à notre réunion d'église. Je trouve que c'est vraiment appréciable, en fait, c'est édifiant, je trouve. Donc, c'est vrai que pour nous qui sommes croyants, c'est important de le faire. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Oui, alors du coup, hier, j'ai reçu mes colis. Donc, comme je le disais, je vous montrerai pas mon cadeau d'anniversaire, mais je vous montrerai dans le vlog de lundi. Je vous présenterai ma collab avec la Lalab, je vous montrerai mes vêtements de sport. Et donc, on va mettre la table, on va manger. Cet après-midi, il y a des chances qu'on aille marcher parce qu'il fait beau. Alors après, moi, j'ai du boulot aussi. Hein. J'ai de la couture à faire. J'ai une vidéo à tourner. Donc, est-ce qu'on va avoir le temps d'aller marcher? Je ne sais pas. Mais on va faire ce qu'on peut pour y aller, parce que vraiment, là, il a l'air de faire beau et ce serait dommage de pas en profiter. Donc, on va voir ça. Maman. Donc, finalement, moi, hier soir, j'ai fini ma soirée dans ma chambre parce que Family XXL, en fait, ça les a saoulés, les enfants, ils n'avaient pas envie de regarder. Et c'est vrai que comme je l'avais pas regardé de la semaine, j'avais plusieurs épisodes à rattraper et donc, moi, je les enchaîne, ça ne me dérange pas. Mais eux, ça les a saoulés. Donc, du coup, je suis montée regarder dans ma chambre et puis, je me suis endormie devant la télé. Parce que oui, je suis fatiguée. Et du coup, on s'est couché, il était 22h30. Enfin, les enfants regardaient ce qu'ils avaient regardé, puis après, ils sont montés. Et évidemment, ils sont venus me faire un bisou. Et c'est là que je me suis dit, wow, je m'étais endormie. Donc, ce matin, j'ai été réveillée à 7h30. Je me suis rendormie. Je me suis réveillée sans regarder l'heure. Je me suis rendormie. Et puis finalement, je me suis levée à 9h30. Voilà, avec un mal de tête. J'étais pas bien, j'avais moitié froid, j'étais pas bien. En fait, un coup j'ai froid, un coup j'ai chaud. Dans mon lit, c'est un peu pénible. Donc, c'est pas grave, je me suis levée. On s'est préparé et puis on a assisté à cette réunion enrichissante. Et puis voilà, là on s'apprêtait à reprendre Disney+. Alors, j'ai trouvé l'astuce. Oh là, j'allais vous perdre. J'ai trouvé l'astuce, en fait, c'est que quand j'ai souscrit sur la box, ils m'ont envoyé un mail. Ce mail, ça me permettait de relier ma connexion à mon compte déjà existant. Sauf que pour le moment, ça n'a rien changé. On n'a toujours pas tous les programmes, en fait. Donc, on a 8 programmes tout public. On a du Star Wars, on a le film Descendant. On a un épisode de Marvel. On a les 5 épisodes d'Anna Montana. On a Marvel Spider-Man, 2 épisodes. Il y a Marvel Hulk. Ouais, c'est ça, on a 5 épisodes de ça. Marvel Gardien de la Galaxie, un épisode. Enfin, franchement, on a 1, 2, 3, 4, 8. Attends, il y a Lara. 3, 11. Ah non, c'est Lara qu'on connaît. Il y a 11 images, c'est tout. Donc, c'est un petit peu. Si vous connaissez le contenu de Disney+, vous savez qu'on ne compte pas tout.
Donc je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. J'ai relancé la bolt, j'ai relancé de partout. Donc je vais encore me repencher sur la question. Je vais chercher sur internet comment on fait, parce que ou alors je vais refaire la connexion. Je vais recliquer sur le lien qu'ils m'ont envoyé. Je sais pas. Mais en tout cas, je trouve ça bizarre. On va bien finir par avoir une connexion normale. Hein. Donc là, je vais resouscrire Netflix du coup aussi, puisque je pense qu'on va se regarder un petit film de Noël là pendant midi. Personnellement, Noël. Et puis bah après, voilà, moi je vais vraiment me mettre au ménage. Je vais faire ma couture en espérant que ça aille vite et que ensuite on pourra aller marcher un petit peu. Voilà. Bon bah sur ce, je vous souhaite un bon dimanche parce que je vais mettre ce vlog en ligne maintenant. Et bah, je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine à venir. Et on se retrouve demain pour une vidéo à thème que je vais tourner cet après-midi. Et mardi pour les nouveaux vlogs. Ciao !